بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين إن شاء الله nous allons continuer le parcours qu'on a commencé la semaine dernière avec les versets que nous venons d'écouter et d'entendre. En l'occurrence, Sourate Al-Hujurat. Nous avons dit que tous les samedis, Inch'Allah, après Salat Al-Asr, nous allons passer quelques instants en compagnie de cette sourate. Cette sourate qui est d'une importance capitale dans la stabilité des relations sociales que nous devons avoir. Des relations que nous devons avoir vis-à-vis d'Allah, l'attitude et le comportement qu'on doit avoir quand il s'agit d'Allah et quand il s'agit du Coran en tant que croyant, l'attitude qu'il faut avoir quand il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa personne et sa sunna alayhi salatu wa salam, ce qu'on a vu et développé un petit peu la semaine dernière sur, avec la première partie de la sourate du verset numéro 1 jusqu'au verset numéro 5 qu'on a vu la semaine dernière. Pour rappel, c'est cette première partie de la sourate, je le disais, parle de l'attitude, du comportement que le croyant doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de respect, en termes d'humilité et ainsi de suite. Et nous avons vu les illustrations ou les causes de révélation de ces versets. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans ce chapitre des comportements. Je rappelle que cette sourate, elle est appelée aussi Suratul Adab, la sourate des comportements, des attitudes qu'il faut avoir. Et en réalité, on le rappelait la semaine dernière que le Coran, si on le vivait convenablement en termes de récitation, d'apprentissage, mais aussi et surtout de compréhension et de mettre en pratique les enseignements du Coran, le monde serait parfait. Le monde serait en équilibre. Parce que c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le Coran. C'est pour qu'il nous serve de guide et que ce guide soit la base de l'équilibre que nous devons avoir dans notre vie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Le Coran nous dit de faire ceci et nous, on fait cela. Le Coran nous demande de nous comporter comme de cette manière
Et dans la réalité, dans la pratique des choses, ce n'est pas toujours ce que le Coran nous demande de faire que nous faisons. C'est pour cela que les instabilités, les déséquilibres sont là dans les vies sociales, dans les vies spirituelles et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate nous donne un certain nombre d'éléments, d'attitudes, de comportements à observer pour que tout se passe bien entre toi et Allah, entre toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et entre toi et la communauté, mais aussi avec tous ceux avec qui tu vas avoir à faire quelque chose, tous ceux que tu vas côtoyer. Le verset numéro 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin » Allah dit « Ô vous qui avez cru » Il s'adresse encore une fois aux croyants. Aux croyants. C'est un comportement, c'est des attitudes que les croyants doivent avoir. Ce n'est pas des gens... Et quand on parle de croyants, cela englobe les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi. Pour que quelqu'un soit un croyant, il faut qu'il réunisse dans ses convictions les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi. À ce moment-là, il est croyant. Alors, une croyance, c'est le fait d'avoir cette foi. Et cette foi, elle se complète. Le minimum, c'est ces neuf éléments. Les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi. À partir du moment où l'individu réunit ces éléments à son niveau, avec conviction, il est croyant. Mais est-ce que cela suffit pour qu'il soit complètement croyant et que sa foi et sa croyance soient vraiment parfaites et complètes? Nous savons, à travers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a des éléments qui nous permettent justement de tendre vers la perfection. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » n'est pas véritablement croyant jusqu'à ce que tu n'es pas véritablement croyant jusqu'à ce que tu aimes pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Vous voyez, le fait d'aimer et de vouloir, de souhaiter le bonheur que tu veux pour toi à l'autre, ça fait partie des éléments qui complètent la foi. Mais quelqu'un qui n'aime pas le bonheur qu'il aime pour soi-même à l'autre, à autrui, est-ce que pour autant on va dire qu'il n'est pas croyant? Non. À partir du moment où on a les cinq piliers de l'islam, les six piliers de la foi, on en est convaincu, on est croyant. Sauf que les croyances, les fois, sont à des niveaux divers et variés. Il y a des gens qui ont des fois qui sont plus conséquentes et plus importantes que d'autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala appelle ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru en lui et à tous les éléments de la foi en disant ceci: In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un pervers vous apporte une nouvelle, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Si quelqu'un qui a une moralité diminuée, quelqu'un qui est connu pour véhiculer le mensonge ou dire des choses qui ne soient pas vraies, ça, la perversité. La perversité, c'est tout ce que al-fusuq, al-fasiq, c'est quelqu'un qui est croyant, qui est musulman, mais qui a un comportement qui est d'une moralité qui a quelque chose à se reprocher dans la vie, dans sa vie de tous les jours. Si quelqu'un comme ça, qui est connu pour cette perversité, vous apporte une nouvelle en vous disant qu'il
un tel a fait telle chose, ou un tel, tel individu a dit telle chose, ou tel groupe a dit telle chose, à vous de vous ressaisir. Voyez bien clair, fatabayyanu, ne réagissez pas à chaud, ne prenez pas pour argent comptant, pour vérité absolue, ce que ce pervers vous a apporté comme nouvelle ou comme information. Au Firiwaya, il y a une lecture où on dit Ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu, à la place de fatabayyanu fatathabbatu min ath-thubut. Restez bien calme pour traiter l'information que vous venez d'avoir. Vérifiez bien que ce qui vous a apporté comme information, c'est une vérité, avant d'agir, avant de prendre une quelconque décision. Sinon, qu'est-ce qui risque d'arriver? Vous allez commettre du tort à quelqu'un sur la base d'un mensonge, et après vous allez regretter de vos actes ou de vos agissements. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ce verset a été révélé, entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un des compagnons. C'était un compagnon, il vivait avec le prophète, mais il a eu ces attitudes qui sont celles de rapporter des choses qui ne soient pas vraies. Et c'est comme s'il était connu pour des faits comme ça. Et ce compagnon, Uqba ibn Abi Muhayt, il s'appelait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, envoyé vers un groupe d'individus, une sorte de tribu, pour leur réclamer la zakat, pour leur demander de sortir leur zakat à eux. Cet individu avait un problème avec ces gens-là. Il avait un différend avec eux. Il avait une sorte de conflit avec eux. Il ne l'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est quand même parti pour les voir. Dès qu'il arrive, ce groupe d'individus l'aperçoit de loin. Il se lève. Dans une version, il est dit, ils se sont levés. Et lui, il sait qu'il a un conflit avec eux. Il prend peur. Il pense que ces gens-là sont en train de venir vers lui pour lui faire du mal. Et dans une autre version ou dans d'autres tafasirs, vous allez trouver que ces gens-là, ayant un conflit avec lui, ils l'ont vu venir vers eux. Eux-mêmes, ils ont pensé qu'il est venu pour leur faire du mal. Donc, ils se sont levés, ils se sont préparés pour l'affronter. Et dès qu'ils voient cette attitude de ces gens, ils rebroussent chemin, ils se retournent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en courant. Et là, en partant, Shaitan a eu raison sur lui. Il arrive vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de dire ce qui s'est réellement passé, il dit au prophète, je suis allé les voir, mais ils ont refusé de sortir la zakat. Il rapporte cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas content. Et qu'est-ce qui se passe? Il leur envoie un autre compagnon, justement pour, dans le but de les mettre pression, de les contraindre justement à sortir la zakat, ne serait-ce que par la force. Va les revoir. S'ils refusent, eh bien utilise la force pour jusqu'à ce qu'ils sortent la zakat. Et c'était Khalid ibn al-Walid qui était envoyé. Khalid, il était connu pour être quelqu'un de contraignant, de juste, de dur, mais voilà. Et Khalid, il arrive, il voit ces gens, il commence à discuter avec eux, il se rend compte que ce que ce compagnon a dit au prophète, c'est pas vrai. Voyez-vous, ils étaient au point de leur contraindre, de les attaquer sur la base d'un mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset pour dire « Ya ayyuhalladhina amanu, ou vous qui avez la foi, in ja'akum fasiqun, si un pervers vous rapporte une nouvelle, une information, fatabayyanu, ne vous précipitez pas, traitez l'information, rassurez-vous que l'information que vous avez, c'est une vérité avant d'agir, parce que sinon, vous risquez d'agir sur la base d'un mensonge, et après, vous vous rendrez compte que, ah, finalement,
c'était pas comme ça, mais le mal il est fait, vous allez regretter. Et quand on voit le contexte de ce révélation, de la révélation de ce verset, et nous essayons de transporter ce verset dans nos vies de tous les jours, combien de fois on reçoit des informations sans même les vérifier, on les balance. Tu reçois un texto qui incrimine ou discrimine ou qui insulte ou qui piétine l'honneur et la dignité de quelqu'un. Tel a fait ça, tel a fait ça. Les messages de mise en garde, tu les reçois. Tu n'as aucune connaissance de... Tu n'as pas vérifié la véracité de cette information. Tu transfères. Tu transfères et tu fais partie, tu rentres dans une chaîne dans laquelle tu es en train de piétiner l'honneur et la dignité d'un croyant comme toi, d'un musulman comme toi. Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Et vous savez, le fait de dire, même si ce que vous dites c'est vrai, sur un individu, il n'est pas là, il n'aimerait pas que vous dites ça, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un namima. Hein? Le fait de parler de quelqu'un, il n'est pas là. D'évoquer ses défauts, d'évoquer ses péchés, d'évoquer ce qu'il n'aimerait pas que tu parles à son insu. Parce que c'est ça. Souvent, beaucoup croient que la médisance, c'est quoi? La médisance, c'est de dire des mensonges sur quelqu'un. Non. Ils disent que bah, c'est vrai ce qu'il a fait, j'ai vérifié ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais il n'est pas là, il n'aimerait pas que tu dises cela. Vous savez, les compagnons, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ara'aita, vois-tu ya Rasulallah, si ce qu'on dit sur l'individu qui est là, c'est une vérité? Le prophète dit, et bien entendu, c'est de bien ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle la médisance. Ce que tu dis, c'est bien vrai, mais il n'aimerait pas que tu le dises. Il n'est pas là, pourquoi tu le dirais? Parce que il continue en disant que si ce que tu dis, c'est pas vrai, faqad bahatta, c'est ce qu'on appelle al-buhtan, c'est mentir sur quelqu'un, dire des, avancer des allégations qui sont fausses sur quelqu'un, c'est encore pire, c'est encore plus grave. Donc on parle d'une vérité, ce que tu es en train de dire de l'autre, c'est vrai. Il a un mauvais comportement, il se comporte comme ça, il a fait ci, il a fait ça, mais il n'est pas là. Et il n'aimerait pas que tu dises ça. Quand il est là, tu ne le dirais pas. Pourquoi tu le dis derrière lui? Hein? Donc ça, ce verset, il est... Combien de fois on en a besoin? On a besoin de ce verset dans la vie de tous les jours. Combien d'individus, combien de familles se sont déchirées sur la base de mensonges? On vient te rapporter, ton frère, ta sœur, ton cousin, ton oncle, il a dit ci, il a dit ça, il a fait ci, il a fait ça. Pff, toi, tu te chauffes, tu vois, tu te braques, soit tu agis alors que tu n'as pas vérifié si cela est vrai ou pas, ou faux. Tu as fait du mal à quelqu'un sur la base d'un mensonge. Vous voyez combien de fois on a encore besoin de ces versets dans la vie de tous les jours. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Quelquefois, quel que soit, à chaque fois qu'on a une information qui nous dit que quelqu'un, un individu, combien de pays se sont déchirés? Combien de pays sont rentrés en conflit, en guerre pour des choses comme ça? Des mensonges. Des familles, Silat al-Rahim, combien de liens de parenté, de famille, de liens de famille ont été coupés à cause des allégations de ce genre, alors qu'il suffirait tout simplement de se ressaisir, de chercher à vérifier la véracité de ces informations. Et en général, si on prend cette attitude-là, on n'agit pas tout de suite, on fait beaucoup, beaucoup moins de dégâts, on fait beaucoup, beaucoup moins de mal aux autres et à soi-même. Parce qu'au final, quand tu fais du mal à quelqu'un sur la base de fausses allégations, tu t'es fait du mal à toi-même. C'est un zulm, c'est une injustice que tu auras
commis vis-à-vis de cet individu. C'est un comportement, c'est une attitude à avoir entre nous pour que tout se passe bien. Parce que beaucoup de relations sont coupées sur le fait que on est complètement à l'ouest par rapport à ce verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Il nous rappelle et sachez que vous les musulmans et particulièrement vous les compagnons, sachez que le messager d'Allah est parmi vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ne le dévancez pas. Le prophète, il est là. Dans toute décision, dans toute prise de position qui concerne la communauté, le peuple, eh bien, il est là pour ça. Ne le dévancez pas. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous obéissait dans maintes affaires, dans maintes propositions que vous lui faisiez, vous seriez en difficulté. Il y a des compagnons qui venaient dire, et si Allah révélait une sourate pour traiter de tel sujet, et si Allah parlait de ça, et si Allah nous révélait un verset qui parlait de ça, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parlait de ça, des sujets qui n'étaient pas encore traités, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans un autre verset, la tas'alu an ashiya'a in tubdalakum tasu'ukum. Ne posez pas des questions sur des choses qu'Allah n'a pas encore traitées. Ne vous précipitez pas. Parfois, Allah, il ne traite pas certains sujets par miséricorde pour vous. Il se tait sur certaines choses, rahmatan bikum, pour vous faire miséricorde. Et donc, si à chaque fois que vous demandiez à ce qu'Allah traite un sujet ou à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'un sujet, il allait y avoir un verset pour traiter ça, vous allez trouver cette religion contraignante. C'est pour ça, لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous écoutait et vous obéissait dans maintes affaires, dans maintes propositions que vous lui faites, vous seriez en difficulté. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. Et Allah leur rappelle que c'est lui qui a été bienfaisant vis-à-vis d'eux en les faisant détester la mécréance, hein, en les faisant détester la perversité et la désobéissance. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. C'est pas par vos efforts, c'est pas par vos forces, mais c'est par la grâce et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous réclamez de cette foi, si vous vous réclamez avoir une croyance et vous détestez la perversité et la désobéissance. Oulaïka humur rashidun. Ceux qui se comportent de cette manière-là sont ceux qui ont été les bien dirigés, les bien guidés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il les rappelle que ça, c'est une miséricorde. Ça, c'est un bienfait qu'Allah a fait à leur égard. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمًا. Cette foi dont ils se réclament et cette obéissance qu'ils ont vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui leur a fait grâce. Ce n'est pas, encore une fois, de par leur piété ou de par leur force. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Et Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, il est au courant de tout ce que vous cachez dans vos cœurs. Hakimun, et il est sage dans tous ses actes et dans tout ce qu'il fait. Un autre verset qui parle d'un autre sujet et de notre attitude et de notre comportement dont nous devrions faire preuve quand il y a un conflit entre deux personnes. Quand il y a un conflit entre deux familles, quand il y a un conflit entre deux sociétés, deux peuples, quand il y a un conflit entre deux pays, quelle attitude il faut avoir? L'attitude la plus raisonnable, elle est là dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Et si deux individus ou deux parties de la communauté divergent, le verset dit, et si deux groupes de croyants se combattent, ils divergent au niveau des idées au point de se déchirer, d'en arriver vraiment à se détester, qu'est-ce que vous devez faire? Faites la conciliation entre eux. Il est de la responsabilité de chacun de nous ou d'un groupe d'individus à chaque fois que des individus ou des peuples se déchirent ou se combattent, de venir au secours en essayant de les réconcilier. Et vous savez, la réconciliation, comment elle passe? La réconciliation ne consiste pas à écouter une seule partie et prendre position. Il faut écouter un tel, les arguments, pourquoi on en est arrivé là, les tenants et aboutissants du conflit, de par sa version, et écouter l'autre version pour se faire une idée. Et en général, quand on écoute les deux parties, et surtout quand on les réunit, ils sont tous réunis au même endroit, autour de la table de la réconciliation, les deux parties s'expliquent et avancent les arguments. Toi qui es là, qui essaye de les réconcilier, tu verras tout de suite qui a tort et qui a raison. Et sur cette base, tu prends position et remettre chacun à sa place. Toi, sur la base de vos arguments et de vos explications, tous les deux, ou de tous les deux groupes, eh bien, toi, tu ne devrais pas en arriver là. Tu ne devais pas faire ça. Tu as tort sur ce point. Tu n'as pas raison sur cela. Remettre les ayants droit à leur place. Et faire comprendre à ceux qui ont tort qu'ils ont tort de par la plus belle des manières, de manière à ce qu'ils acceptent cette réconciliation et la faute qu'ils ont commise, de reconnaître la faute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour appuyer cela, nous dit « Unsur akhaka zaliman aw mazlouman » Sois un secours, aide ton frère qu'il soit opprimé ou oppresseur. Et les compagnons disent « On sait comment aider quelqu'un qui est opprimé, qui subit une injustice, mais tu nous demandes d'aider quelqu'un qui est injuste. Mais comment on va l'aider? Eh bien, tu vas l'aider en le faisant prendre conscience que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Qu'il est dans une injustice, qu'il n'est pas dans le chemin qu'il faut avoir. Si tu l'aides à prendre conscience qu'il n'a pas raison, tu l'auras aidé. Parce que la faute qui est avouée est à moitié pardonnée. C'est très facile de demander pardon sur une faute qu'on reconnaît. On reconnaît qu'on est fautif. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est fautif, on ne va pas demander pardon parce qu'on estime qu'on a toujours raison. Donc cette responsabilité nous revient d'être toujours des gens qui font de la réconciliation quand il y a un problème, dans les familles, entre les amis et ainsi de suite. Il ne nous revient pas de nous abstenir. S'abstenir quand il y a un problème, la neutralité quand il y a un problème, c'est souvent dit que c'est quand tu choisis la neutralité, tu as choisi le camp de l'oppresseur. Et souvent, on s'abstient quand celui qui est l'oppresseur est plus proche de toi. Quand celui qui subit l'injustice, il est proche de toi, tu ne t'abstiens pas. Là, tu élèves la voix. Mais quand celui qui commet l'injustice, c'est quelqu'un qui est, que tu apprécies, que tu aimes, c'est là que les gens souvent s'abstiennent. C'est pour cela, s'abstenir quand il y a un problème, c'est souvent signe de que tu t'es rallié à l'oppresseur. Quand on s'abstient face à un problème, face à une injustice, on a indirectement choisi le camp de l'oppresseur. Donc, être dans la réconciliation. Et quand on essaye de réconcilier ces deux individus, ces deux groupes-là,
et que l'oppresseur ne veut pas prendre conscience de son injustice, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas pas dire, moi j'ai essayé, maintenant vous voulez pas, démerdez-vous. Non. L'attitude que nous devons avoir, c'est de se ranger du côté de celui qui subit l'injustice. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Soyez du côté de celui qui subit l'injustice. Si l'oppresseur ne veut pas, restez auprès de celui qui subit l'injustice et usez de tous vos moyens légaux pour mettre pression à l'oppresseur. فَقَاتِلُوا. Faites-lui pression. Contraignez-le. Ne le tuez pas. Il n'est pas dit فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي. Ne tuez pas celui qui est l'oppresseur. Usez de tous vos moyens légaux pour le contraindre et l'amener à la raison, à prendre conscience qu'il n'a pas raison et qu'il a tort. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le combat peut être tout genre de pression. Ça peut être nasiha par la douceur, lui expliquer, il n'a pas compris aujourd'hui qu'il a tort, ne pas lâcher, demain, revenir à la charge, après demain, utiliser des moyens, aller voir des gens qu'il aime bien et qu'il respecte et à qui ils ont l'oreille, qu'ils prêtent l'oreille. Parce que parfois, nous aussi, on a une responsabilité dans les conflits. On n'a pas la hikma, on n'a pas la bonne manière pour régler les conflits. On se met dedans, on s'immisce dedans, et les problèmes prennent de l'ampleur et s'empirent. Parce qu'on a manqué de hikma, parce qu'on a manqué de bonne manière. Toutes les bonnes manières sont requises jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est injuste, qu'il a tort et qu'il se range. Et s'il revient, qu'est-ce qu'il faut faire? فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime les équitables. Ce verset, combien de fois on en a besoin là encore dans nos vies de tous les jours? Tu es dans une famille où tu assistes là où deux frères, deux sœurs, deux amis ne se parlent pas. Ils se font la guerre et ils se présentent l'un vis-à-vis de l'autre comme étant des pires ennemis. Tu es là, tu ne fais aucun effort pour essayer de les ramener à cela. C'est une responsabilité. C'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regardé. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا. C'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Si personne ne le fait, et que ces deux individus, ces deux groupes restent comme ça, eh bien c'est tout le monde qui ramasse, c'est tout le monde qui pêche. Il revient, donc c'est une responsabilité de chacun de nous de toujours aller dans la réconciliation et dans le fait de renouer, de recoller les liens qui se coupent. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle après ce verset que nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Rappelez-vous que vous êtes des frères de par la foi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Vous êtes la fraternité doit faire preuve dans la vie de tous les croyants. Et ce verset, tout le monde le connaît. Et tout le monde le brandit quand ça l'arrange. Quand c'est l'autre, on oublie le verset. Quand tu as besoin de l'autre, quand tu es en difficulté, quand tu es en galère, tu le reconnais. Parce que tu es dans le besoin. Et quand on a besoin de toi, on te sort le verset, tu n'es pas sensible. On peut le tourner dans tous les sens, ce verset. Dans la générosité, les croyants ne sont que des frères dans la générosité. Les croyants ne sont que frères dans la fraternité, dans les liens de parenté. Les croyants ne sont que frères dans les moments difficiles.
Les croyants sont frères dans les moments de bonheur. Quand c'est le bonheur, c'est tout le monde qui doit sentir ce bonheur. Et quand c'est la difficulté, tout le monde doit sentir cette difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » L'exemple des croyants dans l'amour qu'ils ont entre eux, la fraternité et la solidarité qu'il y a entre eux, c'est l'exemple du corps humain. مثلو الجسد كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو. Si un seul membre du corps se plaint, j'ai mal au doigt, si j'ai vraiment des douleurs au niveau du doigt, est-ce que je vais dormir le soir? Normalement, si c'est l'individualité, ben, les yeux n'ont rien à voir avec le doigt. Le cerveau n'a rien à voir avec le doigt. Donc les yeux se ferment, le cerveau dort, et le doigt, lui, il pleure, il souffre. Mais est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Si j'ai mal là, c'est tout le corps qui est mobilisé. Si j'ai mal à l'orteil, c'est tout le corps qui est mobilisé. Si j'ai mal à la dent, c'est tout le corps qui est mobilisé. C'est ce qui devait être la situation et le cas des croyants. Si un seul a un problème, c'est nous tous qui devons avoir cette difficulté et la volonté de sortir notre frère de la difficulté. Si un seul a un bonheur, a une bonne nouvelle, nous devons tous nous réjouir du bonheur et de cette facilité que ce croyant a eue. Est-ce que c'est réellement le cas dans nos vies de tous les jours? La jalousie, la haine, l'envie entre des gens, des frères et sœurs, entre des gens qui sont censés être soudés plus que tout, des gens qui sont censés se montrer solidaires entre eux, ce n'est pas toujours le cas, alors que c'est ce qui devait être l'attitude des croyants. Et si nous nous réclamons étant des croyants, c'est ce qui doit être nos attitudes, sinon on n'est pas cohérent dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. C'est bien beau de dire « je suis croyant », c'est bien beau de se réclamer de cette croyance, mais c'est les actes qui doivent prouver cette croyance que nous nous réclamons. « Innama al-mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que frères entre eux. « Fa aslihu bayna akhawaykum » Établissez la concorde entre vos frères, établissez la réconciliation entre vos frères, et craignez Allah, wattaqullah. Craignez Allah dans cette réconciliation que vous allez faire. Soyez le plus juste possible quand vous vous engagez à réconcilier les gens et ne prenez pas des positions qui ne soient pas justes et sérieuses. Wattaqullah la'allakum turhamun. Et craignez Allah afin que Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde. Craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. On va s'arrêter là aujourd'hui, inshallah. Ça fait 10 versets et tous les versets du début à la fin nous parlent directement. Ce n'est pas des versets qui concernaient que le prophète ou les compagnons. Nous voyons les versets se déclinent dans nos vies de tous les jours. On en a besoin. Et encore une fois, si seulement on utilisait même la moitié, on mettait en pratique même la moitié de ces enseignements, l'état de la communauté, l'état des musulmans, l'état des sociétés ne serait pas dans lequel il est aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre le Coran et le message d'Allah et de le vivre, de le mettre en pratique pour qu'à travers ça, il nous fasse miséricorde. Allahumma تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين